Bonjour tout le monde, on va s'attaquer au test de Demain ne meurt jamais sur la première PlayStation. Donc il est sorti en novembre 1999, édité par Electronic Arts et développé par Black Ops Entertainment. Et c'est un jeu d'action à la troisième personne, jouable à un seul player exclusivement. Allez, c'est pas où ça, on va vite l'enlever. Tomorrow Never Dies, donc 007. Donc appuyez sur ça, donc on va démarrer une nouvelle partie. Non, on va démarrer une nouvelle partie, comme ça on verra le début du jeu ensemble. J'ai pas envie de spoiler, comme je vous l'ai déjà dit. Donc difficulté, on va laisser en agent. Donc là on a tous les niveaux du jeu, et on va faire le premier, c'est parti. Classified 007. Donc le briefing, qu'on aura le droit à chaque début de nouveaux niveaux. À vous de voir si je vous le laisse ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Vous avez fait le lien, c'est un jeu basé sur le film du même nom, un James Bond, pour l'abruti qui n'aurait pas compris. Un jeu que j'ai connu étant môme, enfant, plutôt, j'avais quand même 13 ans. Donc le collège et la quatrième si je ne m'abuse. Une belle année de merde hein, dans ma life, mais ça tout le monde s'en fout, hein, puisque vous êtes juste là pour parler et écouter jeux vidéo, bande d'ingrats. Aucune compassion pour un pauvre écolier. Moi, par contre, niveau gaming, c'était pas si mal 99. Donc attention, aspect nostalgie, la nostalgie, je pourrais prendre le pas sur l'honnêteté en vue de cette review. Les temps de chargement interminables de la PlayStation, hein, c'était sa marque de fabrique. Personne ne les a oubliés, ceux-là. Donc c'est parti, donc poste militaire, frontière russe, pardon, à 16h. Donc 16h, il y a un sacré ciel, un ciel rouge. Il fait quasiment nuit, je trouve. Donc vous voyez, graphiquement, bah, c'est un jeu PlayStation hein, en 3D. Moi, je trouve pas ça hideux. En tout cas, ça suffit pour jouer, j'ai envie de vous dire. On voit quand même la différence entre les différents éléments. Les armes sont plutôt bien modélisées, même si c'est des images, hein, c'est des JPEG. Allez, on va faire un headshot pour le premier ennemi. Donc, après, moi, j'ai envie de vous dire, vu que j'ai fait le jeu à l'époque, ça me choque pas vraiment. Les graphismes, je trouve ça, je vais pas dire sympa non plus. Mais je trouve ça largement regardable, mais je peux comprendre qu'un mec, je sais pas, un plus jeune, je sais pas s'il y en a un qui est né beaucoup plus tard, qui est né après la sortie de la PlayStation, qui a par exemple démarré seulement à la PS3, voire à la PS2, ça puis choquer un petit peu, que ça donne pas envie de retourner sur des anciens jeux, parce que autant la Super Nintendo au niveau de la 2D, ça passe toujours de nos jours, en tout cas je trouve, autant la 3D de la première PlayStation, ça pique un peu plus. Mais après, là c'est vraiment... Je peux pas vraiment critiquer ces graphismes, vu qu'ils sont pas mal pour de la PlayStation. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez à me suivre. Ouais, encore un headshot, ça c'est cool. Donc on pourra également jouer avec les éléments du décor, hein, des barils explosifs. On aura plusieurs armes dans le jeu, hein, que je vous citerai un peu plus tard dans ce test. Donc là, j'ai vraiment envie de vous montrer le level design. Le level design, plutôt. Là, attention, ouais, il est déjà retourné vers moi, donc les ennemis sont évidemment un petit peu teubés. Hein. C'est pas non plus des flèches. Alors attendez, on va essayer de... Attendez, donc là, l'un des défauts du jeu, on reste coincé dans tout le décor. À chaque que vous allez passer dans une petite pièce avec une entrée assez étroite, vous allez rester coincé dans le mur. Vous n'y échapperez pas, hein. C'est une certitude, et c'est vraiment là pour moi le plus gros défaut du jeu, c'est évidemment aussi la caméra qui fait n'importe quoi par moment. Par contre, je risque de couper le son sur certains passages à cause des droits d'auteur, hein. Là je pense que vous avez fait le lien également, hein. Vous êtes prévenu, donc je vous confirme que le jeu a bien la bande son des 007. Ainsi que des images du film d'ailleurs, hein, que je couperai directement, j'ai pas envie de me faire avoir avec YouTube et les droits d'auteur. Donc, on va retracer la trame du film avec plus ou moins de précision. Elle se permet de quelques débordements, mais moi j'y vois rien de choquant non plus. Je préfère même plutôt ça que de recopier bêtement le scénario du film. Donc on aura droit à 10 missions que l'on pourra rejouer comme bon nous semble via un sélecteur de niveau. Donc pour moi, excellente nouvelle, hein, pas besoin de se retaper tous les stages pour profiter d'un niveau qui nous aurait marqué. La durée de vie est en somme très correcte, la difficulté n'étant pas bien élevée. Donc, vous avez vu au début du jeu qu'on avait le choix entre deux niveaux de difficulté. J'ai refait les 4 premiers niveaux et bah, c'était du first try, hein, même si je me souvenais convenablement bien des stages. Ah bah comme quoi, c'est un jeu qui m'a un minimum marqué, même si je vais répéter ce que je répète à chaque test rétro. À l'époque, c'est les parents qui achetaient les jeux et comme tout parent qui se respecte, il n'y avait pas d'argent.
Donc c'était un jeu à Noël et un jeu à ton anniversaire. Et vu la date de sortie de jeu, bah, j'ai dû l'avoir pour Noël. Sachant que je suis né en octobre, donc je vous laisse imaginer comme j'ai torché le jeu, allez, 14, 15 fois, 1000 fois. Évidemment, il y avait le grattage d'argent à la grand-mère pour économiser pour l'achat d'un autre jeu. Il y avait également la tête de malheureux devant la mère qui pouvait fonctionner une fois dans l'année. Bref, tous les moyens étaient bons. Les anciens savent très bien de quoi je parle. On va laisser l'espèce d'hélicoptère s'en aller, hein. On va pas se prendre la tête sur lui. On va récupérer les munitions, 17 balles de fusil. Je voudrais juste vous remontrer un petit peu la caméra. On va essayer de monter sur, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de mirador en pierre. Bah, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, puisque ça a pas l'air d'être un bâtiment. Alors, voilà, donc je vais essayer de récupérer le gilet pare-balles. Déjà, vous voyez qu'on voit rien. Encore qu'ils ont eu l'intelligence de mettre James Bond en transparence pour qu'on puisse mieux voir. Mais vous voyez qu'on voit que dalle. Donc là, heureusement qu'il n'y ait pas d'éléments sur les escaliers hautes, parce que on ne voit rien, mais absolument rien. Donc en fait, quand je disais JPEG pour les arbres, vous m'avez compris, hein, c'est que les feuilles sont toutes plates, etc. Mais bon, on peut bien tourner autour. C'est relativement bien fait. Mais j'aime beaucoup, moi, ce premier niveau. Je pense que c'est le niveau que j'ai le plus fait à l'époque, hein, parce que j'aimais bien refaire le jeu. Vous allez rapidement savoir pourquoi. Parce que le niveau est vraiment composé en deux parties. Donc la partie où on est... J'ai envie de vous dire, vous explique un petit peu les bases, puisque la difficulté est limite absente. Hein. Pour mourir dans ce premier niveau, il faut y aller, en tout cas sur la première partie. Donc... Ouais, alors qu'il y a eu une explosion là dans l'immeuble, je sais pas ce qui s'est... Enfin bref, j'espère que vous avez pas entendu. Enfin, ou même, j'espère que vous avez entendu. Allez, on va continuer, on va essayer de se buter sur... Regardez-moi ça, regardez-moi cette caméra, je rentre dans le décor. Soins indisponibles, bah, j'ai pas de bol. Il me semble qu'il y a des soins dans tout ce qui est... Ouais, je suis vraiment blessé. Les trucs en bois, là, généralement, il y a des soins à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer. Donc la barre de vie est en haut à gauche. Hein. Le 007 x 3, c'est le nombre de vies qui nous reste. Donc le logo bien réalisé, je trouve, hein, avec le logo de la vie, avec le symbole de James Bond, avec le petit pistolet, là, sur la droite. Donc en bas à droite, c'est l'émission qui nous reste avec l'arme qui est actuellement en action. À gauche, bah, c'est les trousses de soins, donc là vous voyez que j'en ai plus. Donc là j'ai pu récupérer un gilet pare-balles. Donc on aura beaucoup d'éléments dans le jeu, et pour un jeu d'action, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu normal. Donc les jeux d'action, pour moi, un petit peu le grand jeu d'action sur PlayStation, c'est plutôt les Siphon Filter. J'en ai pas encore testé sur la chaîne, donc il y en a trois. Le troisième, j'avais vraiment adoré. Et bah, Mission Impossible était vraiment bien aussi. Après, tout ce qui est Metal Gear, je mets ça dans l'infiltration, hein, parce que, évidemment que Metal Gear est bien au-dessus de tous ces jeux. Hop, on va passer par là. On va voir s'il a laissé quelque chose. Regardez-moi les décors là qui se barrent, qui se cassent la gueule. En plus, il a encore envie, ce con. Ouais, là, je ne sais pas sur quoi je tire. On voyait les impacts de balles qui étaient dans le décor, en fait, dans le vide. Tu comprends pas pourquoi. Il faut que je fasse gaffe, il me reste 12 balles. Donc ouais, il y a bien un ennemi là sur la droite, donc on va essayer de se le faire, ce serait bête de crever dans ce test. Ouais, je reste bloqué vraiment partout, dès qu'il y a un élément au sol, je vais rester bloqué dessus. C'est assez hallucinant, c'est limite énervant, hein. Je vous promets que si tu joues au jeu pendant une ou deux heures, tu vas commencer à péter un cap sur la fin. Au début tu dis ça va te faire marrer, au bout d'un moment ça va vraiment, mais vraiment te gonfler. Donc le jeu nous fera visiter quelques villes, hein, avec bah, la Russie comme en ce moment, on ira à Hambourg en Allemagne. Il y aura la Suisse avec les Alpes, Hokkaido, Saigon. Donc on fera un petit peu le tour, j'allais dire le tour du monde, mais le mot est bien grand. En tout cas le jeu est très varié dans ces environnements. Là-dessus, pas de défaut à signaler. Alors au niveau de son arsenal, donc on aura vraiment beaucoup d'armes. Donc rapidement il y aura le PK-7 que j'utilise actuellement, le fusil à lunettes, donc le sniper, le fusil d'assaut. Le 9mm, hein, du grand classique avec James Bond. Le SMG-45, on aura des bombes chimiques. On aura un lance-roquette, ainsi qu'un lance-grenade. On aura des lunettes infrarouges, fusil à lunettes infrarouges. On aura également des mines. Et on aura, évidemment, comme tout James Bond qui se respecte, quelques gadgets. Le bouton à manchette. Là, je me suis renseigné sur Wikipédia. Hein. Je me suis pas retapé tout le jeu pour noter toutes les armes qu'il y avait. Un scanner d'empreintes digitales, de l'amorce, donc les trousses de secours que vous avez vues, etc., etc. Donc ils ont vraiment mis beaucoup de contenu. J'ai vraiment très peu de souvenirs du film, bien que j'en garde de bons souvenirs. En tout cas, quand on me dit « Demain ne meurt jamais », pour moi c'est un bon film. En même temps, j'adore les James Bond de Pierce Brosnan. Pour moi, c'était le meilleur.
j'ai beaucoup de mal avec avec les derniers films que je n'ai même pas tous vus. J'ai même pas vu Skyfall, Quantum of Solace non plus. Bah, je crois que j'ai que vu Casino Royale en fait. Ouais, maintenant que j'y pense, ouais, ça doit être bien ça. Mais faudrait que je me le refasse, le Demain ne meurt jamais. Bon, c'est pas le meilleur James Bond, mais c'était un bon petit James Bond. Donc là, alors il faut détruire l'espèce de satellite là-bas. C'est vrai que la première fois que vous faites le jeu, vous savez pas trop quoi faire en arrivant à cet endroit-là, puisque tout est fermé. Lorsque vous faites le ménage sur la map, tout est fermé, vous savez pas où aller. Mais en fait, il faudra rentrer dans les options pour envoyer un missile sur l'espèce d'énorme satellite. Hop, par balle léger. Putain, il est toujours pas mort. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc attendez, on va descendre. Cette bouille de pixels. Non, il faut détruire ça, je crois aussi. Peut-être pas, je sais plus. Non, pas besoin, mais on pourra pouvoir récupérer quelques objets. Voilà, trousse de soins. Il faut vraiment marcher sur l'item pour le récupérer. Hein. Par contre, la hitbox pour toucher les ennemis ou se faire toucher moi-même, elle a chier. Par contre, pour récupérer des objets, là, faut vraiment être précis. Je regardais le ciel, hein, quand même fait l'effort de mettre un ciel bougeant, mouvant, je sais pas comment on dit. Un ciel en vie. Hop, récupérer quelques missions. Ah, encore une trousse de soins, on va la récupérer. Et je vais vous montrer ce qu'il faut. Donc là, vous vous dites, mais merde, qu'est-ce que je dois faire? Je me rappelle très bien que j'étais bloqué là, quand j'avais fait le jeu pour la première fois. En fait, il faut observer ce machin-là. Rentrer dans le menu du laser. Donc on voit pas. On voit à travers des lunettes. Recherche la cible. Il faut juste appuyer sur R1. Et là t'as un avion, je sais pas si c'était un Mirage, je pense, je sais pas. Ou un avion non pas un Mirage, un avion fantôme, je crois que c'est son nom. S'il y a des connaisseurs en aviation, merci de l'indiquer dans les commentaires. Ouais, donc ça pour le. Fallait vraiment le trouver à l'époque, hein. Rentrer dans les options, choisir qu'il faut péter ce truc. Ah, alors le jeu va ramener un petit peu, donc on a des ennemis qui vont arriver en pagaille juste ici. Astuce très simple, vous vous mettez devant l'hélico et vous les butez comme ça un par un. Vous êtes obligé de les buter parce qu'il y en a un qui va vous laisser une espèce de carte magnétique pour pouvoir passer la porte un peu plus loin que vous avez vu tout à l'heure. La vis automatique un petit peu dans les chaussons. Il faut quand même un petit peu bouger avec la manette, vous voyez. Accompagner, on va dire, l'ennemi. Ben, je crois qu'il a lâché la carte. C'est juste qu'il tourne là sur la droite. Hop, et... c'est fini, ouais. Allez, il va se barrer. Je sais même pas si on peut le péter, l'hélico, là. Je sais plus si j'avais essayé à l'époque de tirer dessus. Récupérer des munitions. Et vous allez voir la suite du niveau. Qui est vraiment excellente. Je me souviens, la première fois que j'ai fait ça, ça m'avait vraiment énormément surpris. Je me dis, ah ouais, pas mal. Franchement, pas mal du tout. On va passer la porte. Et vous allez voir que... on arrive dans une pente. Préparation des skis. Et on va faire une petite partie de ski. Donc vous voyez, dans le premier niveau, on a un jeu d'action. Et maintenant, on a plutôt un jeu de glisse. Et c'est vraiment pas si mal que ça, au niveau des sensations. Je vous promets que ça répond au doigt et à l'œil. Donc on aura les petits ennemis hein, qu'on pourra pousser comme ça sur... enfin pousser vers le sol. Donc là je vais essayer de me concentrer parce qu'il y a moins de crever assez facilement ici. Hop, on pourra même faire des figures lorsqu'on sera en l'air. Bon je vais peut-être éviter de le faire durant ce test mais sachez que vous pouvez le faire. Après peut-être le seul petit truc qui est un peu dommage, c'est qu'à l'époque je refaisais souvent le premier niveau pour ce passage là. C'est qu'on puisse pas y aller directement. Ça aurait été bien... bon après ouais, il aurait dû fallu peut-être scinder le niveau en deux parties. Faire le niveau 1, s'arrêter à la destruction du satellite et mettre un niveau 2, ben, partie de ski. Et qu'elle soit beaucoup plus longue, parce que vous allez voir que ça va se finir vraiment très vite. Donc vous voyez, c'est génial, franchement, c'est excellent. Là-dessus, là, les gars, le taf est fait. Hein. Il y a du travail, il y a des idées. Il n'y a pas de flemmardise. Donc là, les trousses de soins nous donnent de l'énergie directement. On ne peut pas les stocker. Il suffit qu'on se prenne un arbre. Vous voyez, hop, on peut faire des petites figures comme ça. Et voilà, je me suis latté la gueule. Hein. Je vous ai dit qu'il fallait pas que j'en fasse. Sinon, les ennemis qui viennent nous faire chier, bon, c'est normal. Hein. On n'est pas en train de faire les Jeux Olympiques non plus.
Ah, ils sont vraiment chiants. Ouais, là, c'est lui qui a plutôt gagné. Qui a réussi à me faire tomber. Vous voyez qu'on peut vraiment ralentir et y aller comme un vieux. Après, eux aussi se prennent les armes, hein, donc faut pas hésiter à les pousser. Ah, ils sont pas cons non plus, hein, ils freinent pour pas se les prendre. Je critiquais l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais c'est au moins 2 sur 10. Hein. C'est pas... c'est pas un zéro pointé. Donc là, on fera pas de figure. Hop. Donc là, je suis sûr que même vous attendiez pas à ça. Mais franchement, top, c'est génial. C'est juste génial d'avoir fait ça dans le jeu. Et c'est pas les seules courses qu'on aura dans ce jeu là. Donc j'en dirai pas plus, c'est à vous de faire le jeu également. Hop, on va passer tranquillou et on va gentiment terminer le premier niveau. Qui au final se fait en, je sais pas, une quinzaine de minutes par là. Bon, je pense que la première fois que vous allez le faire, vous allez peut-être un peu plus fouiller le niveau, voir s'il n'y a pas des choses qui sont cachées. Hop, c'est parti. Le parachute. Anglais, évidemment, c'est James Bond. Et on est parti vers un petit chargement, ça faisait longtemps, ça nous manquait. Donc on va encore faire une partie du niveau 2, on va pas le terminer ce coup-ci. Donc vous voyez, total tué 27, tué par surprise 3, précision 23, 14 minutes pour finir le niveau, 4 vies. Donc on part au niveau 2. Classified. Donc ça pareil, dites-moi dans les prochains tests si ça vous intéresse que je laisse un petit peu le scénario comme ça... Si vous préférez que je coupe tout, j'ai pas envie de faire non plus à la va-vite, c'est pour ça que je vous laisse généralement. Pareil, tout ce qui est cinématique, je coupe vraiment jamais en fait. Je crois que j'ai jamais coupé dans un test. Donc j'ai vu que sur jeuxvideo.com, il lui avait mis un petit 12 sur 20. Après, de moi-même, je pourrais pas vous dire s'il vaut vraiment plus. Parce que je vous dis, il y avait vraiment la nostalgie qui rentre en compte. J'adorais James Bond quand j'étais petit. Avoir un jeu de James Bond, bah, c'était l'extase pour moi. Je crois que c'est le premier hein, qui est sorti sur la PlayStation d'ailleurs. Donc voilà, 12 sur 20, donc ça fait quand même un peu plus que la moyenne, donc pourquoi pas. Après, moi je pense que je l'aurais mis un peu plus. 14, un petit 13, 13,5, ouais. Peut-être pas 14, ça fait beaucoup, mais un petit 13,5, ce serait pas mal, je trouve, pour le jeu. Vous voyez qu'on est vraiment à la suite du niveau précédent, donc on arrive en parachute. Donc là, l'objectif, filmer les armes. Donc en fait, il faudra prendre en photo les différentes armes qu'il y a dans ce mini-niveau, parce qu'il est vraiment tout petit. Encore des missions intéressantes. Qui cassent un petit peu la routine, on n'est pas là pour buter tout le monde. On doit prendre des photos. Donc il faut que je me rappelle où elles sont exactement. Donc, déjà, on va essayer de faire le ménage sur la map. Je vous dis, elle est minuscule, hein. C'est vraiment tout petit ici. Bon, donc il y a déjà celui-là à en prendre en photo. Écoutez, on va déjà le prendre parce que je sais pas où se cachent les ennemis. Hop. Tac, voilà, première photo réussie. Bon, évidemment, faut bien la cadrer. Hein. Voilà, la prendre comme une merde non plus. Voilà, donc là, il y a encore les explosifs ici à prendre. Voilà. Et faut encore prendre un avion. Ou un hélicoptère, je sais plus. On va voir ça tout de suite. Vous voyez comment je me déplace pour bien arriver sur l'item, c'est presque problématique. Là, pareil, la première fois que vous êtes là, vous savez pas ce qu'il faut faire. En fait, il faut aller sur l'espèce de claymore, là, les mines que je vous ai citées tout à l'heure, tirer dessus et les faire exploser. Alors, je sais plus comment on fait. Ah oui, il faut aller sur la mort. Vous voyez que c'est pas évident. Hein. Tout ça, il faut le trouver. Allez, on repart sur le flingue. Là, il y a encore beaucoup d'ennemis. Donc, c'était bien hélicoptère. Donc, on va le prendre en photo. On va encore avancer un tout petit peu dans le niveau. Et puis, on va s'arrêter là. Parce que ce niveau 2 est vraiment très court. Hein. On peut le faire en 5 minutes. Là, je crois que tout le monde est mort. Allez. On va prendre la bête en photo. Pas un truc de caché, non. Il me semblait qu'il y avait une vie là, je dois confondre. Un petit peu carré l'hélicoptère. Mec, je me perds dans les menus. Hein. Ah non, c'est pas là, c'est là. Voilà, caméra. Alors, je l'ai pas en entier dessus, bah ça suffit.
Donc on a une petite vue sur Pierce Brosnan, à vous de voir s'il est ressemblant ou pas. Encore une fois, on est sur PlayStation en 99. Oh, les mains, c'est n'importe quoi. Hein. C'est des triangles, ces mains. Donc j'espère que ce test vous aura plu. Je sais pas si je vous ai fait découvrir un jeu ou pas. Bon, c'est pas non plus le jeu les plus méconnus sur PlayStation. Il y avait une trousse de soins, je crois, derrière. Ouais, bon, même deux. Donc on va pouvoir passer la porte. Et là, ça va être du bourrinage complet. Je crois qu'il faut retrouver les clés de l'avion. Nous avons un problème. Et se barrer avec l'avion. Donc, ah bah vous voyez, il y a une vie juste derrière là, 007. Ce serait une catastrophe. Donc on va pas le faire déjà parce que je ne sais plus où se trouvent les clés. Je crois que c'est un des gardes qu'on bute qui nous la donne ou une connerie comme ça. En tout cas, où elle est planquée dans la petite zone. Hein. C'est pas non plus insurmontable. Vous allez le trouver vraiment facilement. Donc là, je vous ai gâché. J'ai dit, c'est vraiment des. C'est des triangles, c'est un putain. Donc là, c'est bourrinage complet. Il n'y a que des ennemis tout autour. Qui vont arriver à la chaîne. Je crois qu'il n'y a pas de fin là au niveau des ennemis. Voilà, je sais plus où se trouvent les clés. Vous chercherez par vous-même hein, si vous décidez à faire le jeu, que je vous conseille bien évidemment. Vous faites-le en émulation, hein, ça suffira amplement plutôt que de l'acheter. Encore que je pense qu'il ne vaut rien. Donc là, il y a quand même un décompte, hein, donc il faut faire assez vite. Je pense qu'il y a moins de l'avoir pour 10 balles. En fait, je sais pas, je vais pas vous donner une ordre de prix parce que je suis pas allé vérifier. Mais les jeux PlayStation sont pas encore ultra chers, surtout des jeux comme ça, hein. C'est quand même des jeux à licence qui ont été beaucoup vendus à l'époque. Donc je pense pas que ce soit un problème de le trouver. Alors je m'attendais à avoir beaucoup plus d'ennemis à la fois là, c'est presque calme. Donc si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires, j'hésiterai pas à y répondre dès que j'aurai 2 minutes. Bah nous je pense qu'on va se retrouver très vite pour un autre test. Encore j'en ai un en cours. Je vous ai parlé dans la vidéo Café Clutch de Far Cry 5. Un jeu de shoot. Après je sais pas si ce sera le prochain test, mais on va y arriver. On y arrivera assez vite. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.